guerre entre Vectan et Helghast prend fin en quelques secondes. Ça devient... 1 milliard de morts tués par les incendies de Petrusite qui ravagent la surface d'Elgan. La transformant en simple rocher sans vie. Les jours suivants, une trêve précaire est négociée. Elle finira par déboucher sur un accord. Les survivants vont trouver refuge sur un autre monde. Vecta, la terre de ceux qui ont provoqué la destruction d'Elgan. La moitié de la planète est attribuée aux survivants. Tandis que les Vectans qui vivaient là sont sommés de partir. Ce n'est plus leur territoire. C'est New Elgan. On ne peut pas tout emporter. Uniquement le nécessaire. Écoute, je sais que c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons aller au mur. Nous serons en sécurité de l'autre côté. Je vais veiller sur toi, mais tu dois me rendre l'appareil. D'accord? Tu vas être mon commandant en second. Allons-y. J'arrive, papa. Hey! Voilà, donc... Je commence un petit playthrough filmé cette fois-ci de Killzone Shadow Fall sur PS4. Hey, où est mon commandant en second? Eh, ton commandant en second, il t'emmerde. Une seconde. J'essaie de voir si je peux pas avoir les sous-titres par un biais détourné. Et en utilisant mon téléphone intelligent. Si je cherche ça comme ça. J'aurais complètement pu faire ça avant, en fait, pour toute la cinématique des débuts. Mais bon, je suis un petit peu stupide. Ce qui fait que... voilà, je peux pas... voilà, c'est bon. Ça devrait fonctionner. Bien, donc... Killzone Shadow Fall. Non, c'est un gars qui tient le... c'est bon. Putain, mort. Donc c'est un jeu qui était sorti en même temps que la PS4, comme ça se passe. Par ici, vite. Personne m'explique. Ouais, donc sorti de la PS4, ce qui fait que bon, il a encore des petits défauts techniques. Comment on appelle ça? Jeu de début de génération, qui est sorti en même temps que la console. Ce qui fait que... bon. Malgré ça, ça reste une vitrine technologique quand même. C'est-à-dire que c'est pas non plus complètement ridicule. Tout va bien se passer, Lucas. C'est promis. C'est temporaire. On reviendra. Ici, c'est Vecta. C'est chez nous. Et ce le sera toujours. Ne l'oublie pas. D'accord ? Allez, pas un bruit, et reste dans l'ombre. C'est parti. Bon, après, je vous avoue que je fais aussi ce live un peu en tant que test de qualité pour un futur export YouTube. J'ai déjà fait quelques tests en filmant des caméras, mais jamais avec un micro. Donc c'est pour voir si c'est bien la lumière. Bah si la qualité est sûre, en fait, tout simplement. Hein. Soyez discret. Tiens, attends, ici, ne bouge qu'à mon signal. Ouais. C'est promis. Ok. Après, bon, j'ai déjà fait le jeu, hein, je vous cache pas. Soyons malins. Ah, il y a quand même...
des petits trucs, tu te dis, la PS3, elle aurait pu gérer ça. D'accord, papa. Bon, en 720p et en 60 images secondes. Oh, c'est ça, là, c'est 8080, c'est 60 images secondes, donc c'est un petit peu très impressionnant malgré tout. C'est dommage que la PS4 ne puisse diffuser qu'en 720p. Parce que vous perdez énormément en détail, énormément. Mais regardez les visages. Et voir l'eau qui ruisselle dessus. Le score de la tour, en fait, c'est vraiment clairement beau. Et c'est vous. Je sais pas du tout combien de temps je vais jouer. Quand même assez longtemps pour avoir comment dire, suffisamment de matériel à étudier. Enfin, à analyser, c'est des grands mots. Pour la qualité en fait. Parce que je suis un peu un adepte de la qualité extrême. Voilà. Donc, quand j'envoie une vidéo sur YouTube, je l'encode dans une qualité. Merci. C'est votre fils ? L'équivalente supérieure au Blu-ray. Vous êtes un Shadow Marshal, non? C'est sur YouTube. Pourquoi les Hellcast font-ils ça? J'en ai pas besoin, mais bon, moi je suis... Il y avait un accord. Nous devions avoir un sauf-conduit pour quitter la zone. Hé, mon vieux, moi aussi ça me déplaît. Mais tant que vous serez pas au mur, c'est eux qui commandent. Comme je disais, vous allez avoir besoin d'aide. Vous pouvez nous emmener au mur, sain et sauf. Le passage sud est fermé. Il faut emprunter un itinéraire long. On a perdu assez de temps comme ça. Quel est votre nom ? Sinclair. Je m'appelle Michael Callan. Voici mon fils, Lucas. On va ressortir. Reste près de moi et ne fais aucun bruit, d'accord ? Tu fais du super boulot. Je vous fais confiance. Ton père est intelligent, petit. Allons-y. Comme il ment. Mon père, il est con. Bonjour, hein. Mon papa, il est intelligent. Bon, il a pas une... Il a pas le bac. Qu'est-ce qu'il y a ? Super intelligent. La porte est coincée. J'espère qu'il peut gagner... Qui veut gagner 2 millions ? Quelque Mais il veut pas chose gagner 2 millions, donc. Il jouera pas. Il y a un trou dans le toit. L'un de nous pourrait s'y glisser, passer de l'autre côté et débloquer la porte. Il faut y aller. Trop tard pour faire marche arrière. Je m'en charge. Il est le seul à être assez petit pour passer par là. Allez! Une fois que tu seras là-haut, reste caché et va droit jusqu'au trou, d'accord? Quelle idée de ce visage. D'accord. Ça a l'air d'être un bon gamin. Il a toujours fait les choses à sa manière. Il a plus de courage que bien des adultes ici. C'est vraiment dommage pour vous parce que vous voyez ça en 720p, 30 images secondes, en plus ultra compressé. Bah alors, par contre, niveau qualité, j'ai mis la meilleure. Je ne suis pas le facteur limitant en termes de qualité. Moi, j'ai vraiment mis le maximum possible. Et vu que j'ai la fibre, c'est vraiment définitivement. Mais moi de mon côté, 1080p, 60 images secondes, forcément, une image non compressée peut être servir comme la console. Ça, c'est vraiment. Pour vous donner des petits chiffres de comparaison, si vous voulez vous savoir. Une image non compressée sortie d'une console, chaque image pèse en moyenne, hein, à peu près, 30 mégaoctets. Par seconde. Je m'en occupe. Un Blu-ray,
c'est en moyenne 30 mégabits par seconde. Donc en gros, si vous voulez, faire la conversion, il faut passer les 30 mégaoctets de l'image brute, que le console sort, et multiplier par 8. Aucun risque. Non, et là, vous avez c'était pas notre accord. C'est pour faire comprendre la différence de qualité. Point barre. Donc, vous arrangerez avec votre conscience quand on s'est passé. 30. Allez, mégabits. Le mur n'est pas là. 30 Blu-ray. Le 1080p sur YouTube, il encode en moyenne, je crois que c'est 12 mégabits. Et là, en live, alors oui, bon, j'ai la fibre, mais j'ai la fibre qui est numéricable, donc bon, écoutez bien. C'est pas du FTTH, c'est du FTTLA. C'est droit devant. Mais ça reste dangereux. Tout de suite. Mais ça veut attendez dire que ici, j'ai un upload limité à 5 mégabits. T'as entendu, Lucas? Voilà. On y est presque. C'est pour vous il dire. Faut rester prudent. Le niveau de qualité, quoi. Qui change drastiquement. Vous avez une perte. Allez, disons combien? 35 fois. Votre image est 35 fois moins bien que celle que moi j'ai. Et ça, c'est uniquement en termes de bitrate. Comment on dit en français? Le débit binaire. Ah, ça contient pas en plus la réduction de résolution, la réduction attendez. D'image par seconde. Attendez. On nous a promis un sauf-conduit. Par pitié. J'ai mon fils ici. On n'est pas armé. C'est pas top. Arrêtez. Arrêtez. Ici, c'est aussi chez nous! Non! Alors, très bon acteur, jeune homme. Personne. Son père vient de se faire tuer. La réaction, c'est. Non. Oh non! Qu'est-ce qu'il a? Non! Pourquoi il ne bouge pas? Oh, j'ai 12 ans et je comprends pas le concept de mort. C'est dégueulasse. Ah, bon sang! Mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est vraiment mauvais acteur. C'est terrible. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je crois que tu vas devoir rester avec moi, petit. Allez. Tu t'iras bien une fois qu'on sera de l'autre côté du mur. En route. Bravo, Lucas. Tu es le plus jeune cadet admis dans l'Académie des Shadow Marshall. Tu peux être fier. Si ton père était vivant, il serait fier de toi. Ça, c'est magnifique. Notre peuple désire uniquement la sécurité. Nous allons devoir attaquer les Helghast. Pour cela, il faut franchir le mur. Ça, on passe pas trop. Quoi qu'il fasse, cette zone restera Vecta. Un jour, tu la reprendras. Pour nous tous. Je parle pas du personnage, je parle un peu du jeu. Ça par contre, c'est absolument magnifique parce que le flou, il est. Ta présence honore le programme Shadow Marshall, Lucas. Tu sais où tu dois aller. Et tu sais ce qui arrivera si tu es capturé. C'est un bokeh. Je suis pas sûr d'avoir enchaîné. Comment ça se prononce, ça s'écrit. Tu seras conduit sur le mur. K-E-H. Un sac bokeh. Sur la tête. Je pense que c'est bokeh. Exhibé. Trop de manière humilié. De le prononcer. Mais c'est vraiment un flou extraordinaire qui simule de manière vraiment, vraiment très très impressionnante le flou créé par une caméra. En fait. Ah ouais, en fait c'est drôle parce que là moi je parle, mais je suis même pas sûr que vous m'entendiez en fait. Je sais pas si ça fonctionne. Pas idée à quel point cette situation nous répugne. En train de vivre ici, côté des destructeurs de notre planète. Oh ça va tout de suite. Il y a des gens comme toi, Lucas Kellan, qui nous jugent et qui nous traitent comme des criminels. Ce mur ne te sauvera pas, Shadow Marshall. Nous le franchirons et nous prendrons le reste de ta ville. Et c'est... ça ne sera pas aussi facile cette fois. Boum!